Ça va être le plus jeune et celui d'origine en fait. Ok. Après, vous avez l'affiné, qui est le même fromage au départ, mais avec un affinage plus long. Ok. Hein, de 8 à 9 semaines de plus. Donc, il va être un peu plus ferme en texture et plus fort en goût. Ok. Après, nous avons le demi et le grand identique au traditionnel. Et après, vous avez un fromage affiné à la bière, qu'on retrouve en portion ou en demi-meule. Okay. Voilà. Et vous avez le prix et le poids au dos de chaque fromage. Okay. Et vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci. Lequel vous recommandez?